1948, j'ai commencé secrétaire de la paroisse. En 1949, j'ai passé mes examens comme vérificateur des livres scolaires municipaux. En 1954, on me donnait le greffier de la ville. En 1951, on me donnait le secrétariat de la commission scolaire du village parce que, dans ce temps-là, les gens du village faisaient leur... Mais là, il n'y en avait pas, ils étaient venus me chercher. Puis en 1957, je suis devenu gérant de la Banque nationale. Alors, tout ça a fait en sorte que ça donnait de l'ouvrage à plein. J'avais le secrétaire pour la banque, mais à part ça, je n'avais pas d'autre secrétaire. Tout ça a fait en sorte que ça a créé à CAPSHA une très forte confiance envers moi, puis ça se répand. Hein? On est monté à Québec, on a rencontré M. Johnson. On m'a fait monter, et j'ai rencontré M. Johnson. J'ai dit, « Monsieur Johnson, si je vais à la politique, il y aura une chose. Laquelle? Il n'y aura pas de convention. » Il dit, « Ce que vous me demandez, c'est impossible. Pourquoi? Parce que je ne veux pas me faire ficeler par les cancers de l'Union nationale. Parce que chaque parti a des cancers. Je veux avoir ma liberté. » Il dit, « Ce que vous me demandez, c'est impossible. » J'ai dit, « Ça, Monsieur Johnson, c'est votre problème. » Alors, ce qu'on a fait, il a donné une lettre à quelqu'un. Puis, ils sont descendus à Saint-Anne-des-Monts et ont fait une assemblée, il devait y avoir 1000 personnes. Là, ils ont demandé « qui vous voulez comme candidat? » Ça a été unanime, alors on a pris la lettre que M. Johnson avait donnée et on a donné lecture, me désignant candidat officiel. Et cette élection-là, en 62, j'étais le seul élu dans 14 comtés. Toute la Côte-Nord, toute la Gaspésie, tout le bas du fleuve, je m'épaulais sur Montmagny, le comté de Montmagny, Jean-Paul Cloutier. D'abord, je faisais du bureau le lundi, je partais le mardi matin à 8h30. J'arrivais pour la session à 3h et on ajournait à 10h. Après ça, je faisais mon bureau jusqu'à minuit. Puis je redescendais le vendredi. Il m'est arrivé une fois que j'ai laissé mon automobile à Montmagny, il y avait une tempête. J'ai pris le train jusqu'à Montjoly. À Montjoly, la température était plus belle. Là, j'ai pris un taxi, j'ai descendu chez moi. Mais toutes les semaines, pendant 11 ans, je n'ai jamais manqué une fois. On demandait d'emploi, puis au de tel problème, tel problème, tel problème. Je dirais que peut-être que le corps, c'était peut-être de l'emploi, mais la balance, c'était les problèmes qu'on me soumettait. Parce que, voyez-vous, je rencontre quelqu'un, il a l'automne passé, il dit, c'est vous qui m'avez fait avoir mon chômage. Alors, j'ai fait avoir son chômage en ce sens. S'il n'y avait pas eu le nombre de semaines voulues, je n'avais pas eu, mais peut-être qu'il débattait mal sa demande, était mal exposée. Alors, j'ai appelé l'assurance chômage, je l'ai exposé, puis tout ça. Finalement, ça a fait ouvrir le dossier, puis il y a eu son assurance chômage. Puis dans l'aide sociale, parfois, bien des choses, un type, parce qu'il y avait une ferme, on ne lui donnait pas l'aide sociale, il y avait 63, 62, 63, que tu ne vas plus, il y avait une ferme. J'ai dit, écoutez, la ferme n'est pas vendable, personne ne veut l'acheter. Alors, il ne peut pas mourir de faim. Finalement, le service social, je donnais-lui son service social, puis s'il y a des problèmes, vous me les donnerez. Puis après ça, on y verra. Alors, il y a eu une petite aide sociale. Il était dans la joie. Il y avait peut-être 75 $ par mois. Il était dans la joie. Il avait l'air d'un. C'était son frère qui le gardait. Alors, beaucoup de choses, comme beaucoup de problèmes qui m'étaient apportés, puis tout ça. Mais dans ce temps-là, il n'y avait aucun service par chez nous. Aucun, aucun. Le type ne pouvait pas payer des longues distances sans savoir où il s'adressait. Alors, quel était le centre névralgique? C'était le député. Ça, je comprenais ça très bien. Et j'avais une grande joie d'aider les personnes. Ah, moi, c'est ça. C'était une joie terrible. J'avais été là-dedans tout le temps, mais c'était dans moi-même d'aider les gens. Puis c'est arrivé trois, quatre fois, que des gens se m'ont dit, « Monsieur Gagnon, on n'a pas voté pour vous. » Non. Quand vous êtes allé voter, vous étiez dans un isoloir. La votation, c'est secret. Je n'ai pas besoin de savoir où vous avez voté. Donnez-moi votre problème. Et puis, si je peux, là, je vais vous aider. Mais je vais faire mon possible. J'ai essayé de me débrouiller moi-même avec mes problèmes. Je me suis débrouillé. Mais moins tu veux reposer sur d'autres, plus tu travailles et plus, à ce moment-là, tu acquiers de l'expérience qui t'aide dans le futur. Hein.
Mais si la moindre chose, tiens, donne ça à lui, bien, on va l'appeler celui-là. Là, à ce moment-là, c'est toi qui en subis les conséquences plus tard. Mais moi, je mets à aller au fond des problèmes avant d'aller border une autorité supérieure. Et en 70, un autre aîné, que ça va être agréable, j'appelle un sous-ministre pour tel problème. On n'était plus au pouvoir. Oui, M. Gagnon, on va vous aider parce que quand vous avez été au pouvoir, vous ne nous avez pas menés à coups de crispe, à coups de calice. C'était pas pire. En 1962, quand j'ai étudié, le salaire était 12 000. Le SAG apportait ça à 15 000. Il n'y avait aucune dépense de voyage, une dépense de pension, aucune de transport, aucune de téléphone, rien. Alors, j'étais dans l'opposition. Ce qui m'a avantagé, j'ai gardé le greffier de la ville, ça me donnait le bureau. J'ai gardé la gérance de la banque, ça me donnait la secrétaire. Je faisais 60 000 km par année. La route Trans-Canada n'était pas faite. Alors, ça m'a aidé. Député de Québec avait le bureau au Parlement, il avait sa secrétaire au Parlement, il avait le téléphone au Parlement. Alors, il ne voyageait pas, il était chez lui matin et soir. Alors, il y avait à ce moment-là un déséquilibre entre les députés des régions éloignées et les députés, surtout de la ville de Québec. C'était impensable. C'est M. Bertrand qui, en 68, a payé pour les voyages de la session parlementaire. Puis quelques voyages qu'on pouvait monter, ça donnait 3 000. Il a donné 2 000 pour un bureau dans le comté, pas de secrétaire, 200 par mois, puis 200 par mois pour la pension au Québec. Là, à ce moment-là, on était riches. Et quand j'ai été nommé des ministres, 30 000, il donnait 300 pour les dépenses ordinaires. Là, je suis devenu millionnaire. J'étais pas un débatteur à l'Assemblée nationale. Une fois, il y a un journaliste qui m'avait interviewé à la sortie du comité. Le lendemain, je rencontre un autre journaliste. Il dit, je t'ai écouté à la radio. Puis le journaliste t'a interviewé, puis t'as bien fait ça. Pourquoi tu parles pas plus souvent à l'Assemblée nationale? Parler en politique, c'est une chose. Parler intelligemment, c'en est une autre. J'étais pas mal à l'aise, mais je trouvais qu'il disait des paroles qui étaient peut-être inutiles, hein, au lieu d'aller au fond du sujet. Mais j'ai vite compris que c'était le décorum d'une grande assemblée, puis que chacun voulait aller dans une atmosphère d'orateur un peu, tout ça. D'abord, le sage est un peu grandiose, hein, par rapport au peuple. Deuxièmement, le peuple acceptait mal les déficits qui s'accumulaient d'une façon effarante, parce qu'autrefois, les vieux, c'est la génération précédente, s'ils voyaient qu'un gouvernement faisait un déficit, ils disaient « Mais qu'est-ce que c'est ça? Ils vont nous manger tout rond. » Alors, le sage a pris le pouvoir, puis là, les déficits ont commencé à arriver. Ça a joué un certain rôle. Après ça, il y a un certain nombre de députés qui se sont eux-mêmes qui ont créé une situation pour se faire battre. Aucun doute là-dessus. Alors, tous ces enchaînements-là, les gens se pensaient du temps de Duplessis. Il y avait beaucoup de travaux autour, il n'y avait pas un gros budget, mais tous les travaux qui ont été eu lieu en Gaspésie, toutes les nouvelles routes ont été faites en Gaspésie. Alors, les gens se rappelaient l'épopée de ce temps-là. Premièrement, c'est qu'on pouvait avoir des choses qui répondaient aux problèmes de nos comtés plus facilement que dans l'opposition. Hein. Entre autres, je savais que, comme l'hôpital Saint-Onde-des-Monts, c'était fait en bois, c'était fait par le dévouement des Sœurs Saint-Paul. Ils sont arrivés là vers les années 25. Ils ont construit un bel hôpital pour le temps, mais là, ça ne répondait plus à la qualité des services et, je dirais, à la planification que ça s'imposait. Les plus belles joies que j'ai connues, c'est que je pouvais apporter des choses au comté qui étaient essentielles. Par exemple, l'hôpital, les maisons d'enseignement, parce qu'il était maison d'enseignement, et troisièmement, c'était les centres d'accueil, parce que les vieux, de moins en moins, les femmes travaillaient, ils ne pouvaient plus garder leurs parents, si et ça, parce que c'était un centre d'accueil de 80, puis quand il a été ouvert, 4 mois après, il était plein. Alors, il y avait des problèmes. Alors, ça, c'était des choses, puis à part de ça, au niveau d'apporter des travaux dans des routes secondaires qui permettaient en même temps de donner de l'emploi aux gens de chez nous. Ça, c'était très, très bien. Ça aidait beaucoup les familles.
Au caucus, M. Johnson demanda l'opinion de chacun. Je me rappelle, pour faire le docteur Gaston Tremblay n'aimait pas le sous-ministre de l'Éducation Tremblay du temps. Alors, au caucus, il s'éleva, puis c'est une grande démonstration. Quand il avait fini, M. Johnson, à son tour, se levait. Il disait comme le docteur Gaston Tremblay. Mais quand M. Johnson avait fini de parler, Gaston Tremblay disait pareil comme M. Johnson. Ça, j'avais observé ça, j'avais trouvé ça bon. Puis je disais à mes collègues, regardez, là, M. Johnson dit comme lui, mais tout à l'heure, c'est votre Tremblay qui va dire M. Johnson. Ça arrivait inévitablement. Alors, M. Johnson avait beaucoup de psychologie, et puis il aimait beaucoup les gens. Ça, je lui rends hommage. Il s'en allait à l'Assemblée nationale, puis s'il rencontrait quelqu'un, puis l'Assemblée nationale ouvrait à 2 heures, ça arrivait plusieurs fois. Une fois, le sage même l'avait réprimandé. Puis s'il n'y avait pas quelqu'un qui tirait sur son gilet d'habit, ni vous, M. Johnson, il pouvait rester 10 minutes avec la personne à jaser, à parler. Ça, je lui rends cet hommage d'aimer le peuple et d'aimer à se renseigner, parler. Ça, c'était très, très bien. C'était merveilleux. Disons que j'étais là, à la manique, avec lui, puis je regarde l'heure, il était à peu près presque 1 heure du matin. Alors, M. Johnson n'était pas loin, il était ma soeur, il dit, M. Johnson, je viens vous dire simplement, possiblement que je ne reviendrai pas à la politique. J'ai fait des ulcères, puis il m'a dit, François, moi je croyais que c'était des ulcères, j'ai fait des crises cardiaques. J'ai dit, M. Johnson, il est 1h15, allez vous reposer, pas de sens, allez-y. Il dit, je vais y aller, là. Alors, à 1h30, il est allé se reposer, puis le lendemain matin, à 7h, on est venu nous réveiller, disant, M. Johnson est mort. Il avait les deux mains comme ça, probablement, qu'il a senti la douleur. Alors, ça a été catastrophique pour tout le parti, hein? Parce que M. Johnson était bien aimé, il dirigeait bien le parti, et il y avait beaucoup d'entre-gens, d'astuces, d'habileté, et ça, c'était pas mal difficile pour le parti. Et après ça, quand il y a eu, par exemple, la course à la chefferie, il y avait des journalistes, il y a un journaliste qui s'est approché de moi, je ne me rappelle pas qui, il a dit, si Jean-Guy Cardinal est élu chef du Parti de l'Union nationale, vous aurez la cardinalomanie comme on a eu la trudeaumanie. Il dit, pensez-vous? Oui, monsieur. Ça, je m'aperçois de ça. Puis là, ben, il y a eu l'élection de M. Bertrand, mais le soir, j'ai dit, M. Bertrand, l'emmener, on va aller voir les gens. Ah non, non, non. Comment, non, pourquoi? Son cœur. Pâté, j'ai dit, M. Bertrand n'avait pas la santé d'aller premier ministre. Premier ministre, ça prend quelqu'un qui est en très bonne santé. D'abord, les journées sont longues. Deuxièmement, le stress d'un premier ministre. Hein? Alors, ben, c'était premier ministre, c'était beau. Mais j'ai trouvé que M. Bertrand n'avait pas la santé du tout pour aller à la fonction de premier ministre. C'est là que je l'ai appris, je ne savais pas ça. C'est que M. Bertrand ne pouvait pas, disons, prendre la province, se faire connaître davantage, avoir un programme, l'expliquer. Sa santé ne le permettait pas. Mais Jean-Guy Cardinal aurait pu le faire, lui. Ça, c'est quand tu deviens premier ministre, puis surtout que quand tu es au pouvoir, tu dis les gestes qu'on pose dans l'administration, dans ci et ça, peuvent nous aider à une réélection. En 1969, j'étais voir M. Bertrand. J'ai dit à M. Bertrand, je viens vous dire que je ne retournerai pas à la politique. J'ai fait des ulcères, puis j'ai 10 enfants. Là, il m'a parlé que la pension, ouais, mais écoutez un peu. J'ai dit, écoutez, M. Bertrand, avant de rentrer en politique, j'ai gagné ma vie. Je serai capable de la gagner quand j'en sortirai. Alors, tout d'un coup, il a dit, François, si tu savais, moi, s'il y a des députés qui viennent me parler de démission parce qu'ils veulent être nommés ministres, moi, j'ai pensé être nommé ministre là 2 mois, puis j'ai pas eu le temps. J'ai dit, même ça, M. Bertrand, je ne sais pas ce que je vais faire. Là, il m'a dit, vous m'avez mis une charpe de plomb, allez-vous m'abandonner? Alors, il dit, en tout cas, donne-moi la réponse d'ici une dizaine de jours. Je suis descendu, c'était au mois d'octobre, ça. Je dis à ma femme. Alors, c'était au mois de novembre, c'est-à-dire. Le 20 novembre, 21 novembre, la journée que la session ajournait, ma femme a eu un téléphone de Québec demandant, elle dit, il était à l'Assemblée nationale, alors le petit page est venu me voir, il dit, le premier ministre veut vous parler. J'étais au téléphone,
Il dit, François, donne-moi la réponse suite parce qu'on a serment d'après-midi, puis on proroge les chambres. Foutu me donne. Puis il dit, si t'es défait, on te donnera une belle job. Moi, je la sentais. Je la sentais parce que, comme je te dis, le chef était malade, hein, il souffrait du cœur, puis il donnait pas sa pleine mesure. Et puis ça, c'est très mauvais. Alors, Bourassa arrivait, j'étais un bon économiste. Le PQ est venu puiser dans notre réservoir. Parce qu'écoute, le PQ, c'était plus la séparation, plus l'autonomie. Alors, nous autres, c'était l'autonomie de la province. Alors, la majorité des votes qui sont entrés au PQ étaient plus Union nationale que libérale. Aucun doute là-dessus. En fait, qu'on a perdu le pouvoir, puis finalement, l'Union nationale est disparue. C'était plus collé à la réalité de l'Union nationale que le Parti libéral. Le Parti libéral, tu dis, c'est un parti fédéraliste, tandis que l'Union nationale est un parti autonomiste, tandis que le parti de René Lévesque disait, nous, on va aller un peu plus loin que ça. Encore. Alors, c'était un autre pas, tandis que le Parti libéral ne faisait pas de pas, c'est un parti. Et d'ailleurs, le sage était parti d'Ottawa pour venir prendre le pouvoir à Québec. Georges-Émile Lapanne, la même chose. Alors, c'est que le Parti québécois, en s'implantant, puis avec l'évêque, je l'ai dit avec l'évêque, en s'implantant, puis le langage qu'ils tiennent, à ce moment-là, ils prennent la place de l'Union nationale, avec un pas de plus. C'était très facile à voir. Aucun doute. Il était difficile au niveau des projets que j'avais pour mon comté. Mais pour le travail à Québec, ça nous en enlevait pas mal moins. Là, on sait que le rôle de pollution, c'est un rôle de critique, d'objectivité face aux actes gouvernementaux. Mais quand il s'agit qu'on a des projets pour le comté et qu'on sait que le comté en a besoin, puis ci et ça, là, c'est difficile pour un député. C'est ce que j'ai trouvé le plus difficile en politique. Pour être capable de tout réaliser, ce que j'avais prévu pour maintenir une économie dans le comté qui était raisonnable, sans qu'on puisse atteindre celle de Québec ou de Montréal. Ça, c'était la chose la plus difficile. Puis à part de ça, là, je travaillais sur des gros projets, mais on a perdu le pouvoir, des projets d'apporter des petites industries. C'était pas des grosses industries, mais apporter des petites industries dont on pouvait aller cueillir la main-d'œuvre qui répondait à cette industrie-là, puis tout ça. Entre autres, je me rappelle un projet d'une usine de bois de cèdre à Madeleine. Et puis, il est tombé à l'eau, on a perdu le pouvoir, puis il est tombé à l'eau, mais les financiers, les investisseurs étaient prêts, puis apporter une aide gouvernementale, très raisonnable comparé à aujourd'hui, très, très raisonnable, c'était prêt. Alors, quand ça a changé de gouvernement, tout est tombé là. J'ai trouvé que là, c'est là qu'on s'est aperçu que ça manquait de verve, là, tu sais, là. Que les gens s'étaient moins transportés ici et ça. C'était amorphe. Alors, je disais, ça, c'est pas bon signe, parce qu'habituellement, quand un chef de parti est choisi, il y en a qui sont là, puis ça va être un tel, puis il y a de l'effervescence, puis il y a du go. On sentait qu'il n'y en avait pas beaucoup. Et la défaite de 73 ne m'a pas surpris. Parce qu'écoute, plus un député élu. Commence quelque chose, hein? Alors que tu dis en 66, 7 ans auparavant, on était au pouvoir. Il y a quelque chose qui a manqué, puis grandement. Ça donne un contre-coup, un parti qu'on a toujours appuyé. Puis deuxièmement, tu deviens député et même ministre. Évidemment, ça donne un contre-coup. Et puis, mais il faut s'attendre, quand tu es en politique, il faut t'attendre à toutes sortes de choses. Je dis en politique, je ne me fais pas d'illusions. Il faut être prêt sur le plan psychologique. Tu dis que ce qui peut arriver, c'est le peuple qui a la parole, puis tout ça. Alors, ça a donné un coup, voir disparaître l'Union nationale, aucun doute. Mais j'avais une bonne confiance à René Lévesque. Moi, René Lévesque, là, j'avais beaucoup d'estime pour lui. C'est un Gaspésien comme moi. Je l'écoutais parler, il s'exprimait bien, ce qu'il disait, c'était bien. Puis c'était pas un type qui aurait
défoncer son adversaire, as-tu compris? Le poète dira non. Puis il était très démocratique. En 1976, je reçois un appel de René Lévesque. Il dit, je veux vous rencontrer, je veux descendre. Il dit, Monsieur Lévesque, je monte à Québec dans 15 jours, je pourrais aller vous voir. Non, 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 je veux vous rencontrer, je descends chez vous. Alors, il est descendu à Cap-Chat, puis on s'est rencontrés à l'hôtel. Et puis, on a parlé, si et ça. Il dit, on a fait un galopole dans le comté de Matane parce que mon comté était disparu. Gaspé Nord, la moitié avait été prise par Gaspé Sud, puis l'autre moitié par Matane. On a fait un galopole dans Matane, tu balayes le comté de Matane. Viendrais-tu à la politique? Puis un ministre voir, sans le dire, là, j'ai dit, je vais réfléchir à ça. Mais comme j'avais 10 enfants, j'ai dit, si je suis élu, commencez à déménager ça, puis c'est tout un problème. Alors, quand les élections ont été déclenchées, il m'a appelé. Puis il dit, viens-tu, là? J'ai dit, non. Il dit, t'es fou. Ben, j'étais le premier qui me connaît. Puis alors, je lui ai expliqué, je comprends ça. Puis, à part de ça, en 1900, quand Mulroney était élu, Mario Beaulieu était directeur de la campagne. Il m'a appelé. Il dit, on a fait un galopole dans toute la Gaspésie. Puis il dit, François, on te prend n'importe quel comté, on te le donne. J'ai dit, donne-moi pas de comté, je n'y vais pas. Alors, j'aurais pu faire 9 ans à Québec, puis retourner à Ottawa pour faire 9 ans, parce que Mulroney a été élu en 1985. Mais non. Ça m'aurait fait 29 ans de vie politique. J'aurais pas été heureux qu'avec ma famille. La politique, c'est une chose. Puis la relation entre individus, c'est autre chose. Hein? Alors, on peut avoir des idées différentes sans se massacrer, puis sans s'engueuler, puis de faire des chevaliers. Alors, mes relations sont excellentes. Et c'est Gérard Delévesque qui, en 1969, était venu, s'était parlé à l'Assemblée nationale. Il dit, François, je pense, il dit que tu tires la couverte pas mal. T'as un centre d'accueil à Cap-Chat, t'as l'hôpital à Saint-Anne, t'as le polyvalent de la Grande-Vallée, puis celle de Saint-Anne de commencer. J'ai dit, je ne tire pas la couverte. Je fais la justice distributive. Parce que j'ai dit, oublie pas que t'es... Il dit, écoute, t'es pas un patronneux, puis t'es pas un, en voulant dire, une canaille. J'ai jamais été parlé contre toi, et je n'irai pas parler contre toi. Il m'a dit ça en 1969, et Gérard Delévesque n'est jamais venu parler contre moi dans mon comté, qui était le comté voisin. C'est un beau témoignage, hein? Mais j'ai dit à ma femme, c'est simplement le fait d'avoir servi dans l'honnêteté et la sincérité. C'est normal. C'est un témoignage normal. Ça, ça a été mauvais de faire disparaître des comtés ruraux. Je vais vous dire pourquoi. La ville de Québec, là, n'a pas de pêche. Elle n'a pas de pêcherie. Elle n'a pas de forêt. Elle n'a pas d'agriculture. Tandis que nos comtés, c'est tous les ministères, sans exception, que tu touches. Puis ils sont très éloignés. Alors, les députés parcourent des distances énormes. Moi, il y a un député qui m'a dit, ici à Québec, quand j'étais député, 5 coins de rue, moi, j'ai mon comté. C'était pas notre cas, nous autres. Hein? Alors, c'est un ensemble de choses qui faisaient en sorte qu'il fallait que les députés puissent s'occuper de leur comté, s'occuper de leurs problèmes. Mais plus tu as grandi, plus à ce moment-là, le problème devient. Là, il n'y a pas rien que, c'est bien beau à dire, le nombre d'électeurs, mais il y a les problèmes qui touchent le peuple aussi. Alors, si vous agrandissez les comtés, à ce moment-là, le député vient surchargé par les problèmes. Il y a peut-être... c'est peut-être bien de dire, bon, les électeurs ont essayé d'équilibrer ça, mais à ce moment-là, on cause un préjudice à toute une population. Parce que la personne qui est là et qui peut mieux voir les problèmes, qui peut mieux apporter des solutions, suggérer des solutions, c'est le député. J'ai l'article d'un journaliste qui dit que Gaspé Nord est probablement l'un des comtés les plus difficiles de la province. La plus grosse majorité qu'il y avait eu dans Gaspé Nord, c'était 500 de majorité dans les années de gloire de Duplessis, quand il avait pris, par exemple, je crois, 82 sièges. 500 de majorité. Moi, j'avais été élu à la première élection, 444, puis j'ai réussi à tenir le coup avec ça. Ça, bien sûr que
c'est premièrement le dévouement, deuxièmement une parfaite honnêteté, et troisièmement, pas de mensonge à personne. Quand je suis rentré en politique, c'était rentré en politique pour servir ma province et servir ma région. Mais je n'ai jamais pensé aux questions. Puis quand les ministres ont été nommés, j'aurais pu rentrer Johnson et dire, « Monsieur Johnson, écoutez, j'ai 14 comtés sur le comté. » Moi, j'ai eu des appels de la Côte-Nord, du côté sud, de Rimouski, qui voulaient venir me voir pour des problèmes importants. J'ai dit, « Venez, on va... » Alors, jamais je n'ai pas pensé à ça. Moi, c'était de servir la province et de servir le peuple.